Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mois de mars. Voilà, qu'est-ce qu'il nous attend pour ce mois de mars? Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le tarot des druides. Je trouvais qu'il était très à propos pour ce tirage-là. Je tourne une semaine où j'ai décidé d'utiliser le fairy tale, le normand. Voilà, voilà. Et bien sûr, vous avez reconnu l'oracle aquarelle, l'oracle des messages essentiels et le petit dernier, les cartes hôtel. Celui-ci, ça y est, vous pouvez le retrouver sur la boutique. Mais il n'en reste que 3 à vendre et j'en refais au fur et à mesure. Mais en fait, je vais en mettre 4 par 4, 5 par 5. Au mieux, il y en aura peut-être 10 de temps en temps mis en vente d'un seul coup. Mais comme c'est moi qui l'ai fait et qu'il faut que je trouve du temps pour le faire, vous comprenez bien que j'ai besoin d'un peu de temps. Voilà. Alors, pour ce mois de mars, nous allons avoir l'énergie générale du mois qui va être le 8 de bâton renversé. Alors, les cartes, comme je tiens à le préciser à chaque fois, désolé pour la redondance pour ceux qui écoutent mes vidéos, les cartes renversées chez moi ne sont pas lues de manière négative. Par contre, parce qu'en fait, qu'elles soient renversées ou non, la carte porte en elle une lecture positive et une lecture négative, en vrai, en fait. Hein. Mais quand la carte est renversée, on va penser que le message est un peu plus percutant, que le message appelle à plus d'attention, je dirais, voilà. Donc, le 8 de bâton renversé, il nous dit que ce mois de mars, tout sera assez stimulant. Attention, parce que si on dit que tout est assez stimulant, ça veut aussi dire que tout demande à être géré avec pas mal d'énergie, en fait. Ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de choses à faire et que, du coup, on est pas mal stimulé, si vous voyez ce que je veux dire, hein, et sollicité, surtout, hein. Donc il faudra, je dirais, dans cette optique-là, avoir un comportement à la priorisation, à l'organisation, à la planification des choses. C'est le moment de faire des plans, de faire des listes pour ne rien oublier. C'est le moment où, je dirais, il y a comme le germe de la vie qui va éclore. Et si c'est très positif et stimulant, ça demande aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, en fait, hein. L'action devra être rapide, mais devra être réfléchie. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple concret, les parents qui sont sur Parcoursup pour leur enfant ou sur d'autres plateformes, voilà, ça veut dire qu'en fait, il va falloir agir rapidement tout en ayant précédemment bien réfléchi et d'une manière assez non seulement rapide, mais aussi logique. Vous voyez? Voilà. Donc, il nous faudra être prêt aux nouvelles informations parce que dans cette optique-là, vous vous rendez bien compte que si je vous dis que c'est très stimulant et qu'il faut s'organiser, prioriser, etc., c'est aussi pour laisser de la place à l'imprévu. C'est aussi pour laisser de la place à une information qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'imaginait pas forcément. Mais du coup, il faut, dans cette organisation, se dire que peut-être que si jamais il devait y avoir un imprévu, si jamais il devait y avoir quelque chose qui se passe mal, si jamais il devait y avoir un léger contretemps, j'ai le temps, en fait. Et c'est pour ça que je vous parle de priorisation, d'organisation. L'impression sera de toute manière au manque de stabilité, d'accord? Parce qu'en fait, les changements seront incessants et du coup, l'impression sera que la nécessité de s'adapter est prioritaire, en fait. La réorganisation de nos idées sera salutaire. Donc, avoir ce comportement de se dire ben, pour que ce soit salutaire, il faut que je laisse la place à mon esprit, faut que je laisse les portes ouvertes dans mon esprit pour cette réorganisation, ne pas rester figé, ne pas rester buté, ne surtout pas être dans le bah non, en fait, bah non, moi j'ai pas envie, bah non, voilà, non, essayer d'accueillir et de se dire ok, d'accord, donc ça c'est la réalité, je dois faire avec ça, mais maintenant comment je fais avec ça? C'est plutôt vous voyez, dans cette vibration-là qu'il va falloir être. Ensuite, donc, pour l'aide, nous allons avoir le 6 de coupe renversé. Voilà, donc comme je vous disais à l'instant, rien ne servira d'être dans le banon. Justement, l'aide, le 6 de coupe, il vous dit, ne sois surtout pas
dans la plainte, dans la rumination, dans le blocage mental, dans le « c'était mieux avant », dans le « c'est pas ce que je voulais ». Voilà. Acceptons de faire preuve de maturité. Pour moi, c'est le plus difficile. J'ai une tendance à être une sale gosse. Acceptons de faire preuve de maturité et surtout, ne cédons pas à cette énergie de frustration, de nostalgie ou d'idéalisme, de se dire c'était pas ce que je voulais et du coup même si ce que j'ai est bien, bah c'est comme c'est pas ce que je voulais, et ben je vais pas en profiter et du coup je vais être dans le ouais mais c'est pas ce que je voulais, dans le ouais mais voilà. Moi cette carte là ce qu'elle me dit c'est que l'aide, enfin ce qui pourrait nous aider c'est d'être dans la bienveillance avec nous-mêmes, d'être dans la réception de ce qu'on va obtenir, de ce qu'on va avoir, de cette belle énergie qui va traverser notre mois de mars, parce que on a commencé par dire que les choses vont être très stimulantes, donc ça veut aussi dire qu'on va y prendre du plaisir, puisque c'est stimulant, en fait. Hein. Donc acceptons, en fait, que tout ne soit pas exactement comme on le voulait, que peut-être les choses avancent plus vite, moins vite, ou dans un sens qu'on n'avait pas prévu, en fait. Hein. Mais voilà, soyons tolérants, voilà, avec nous-mêmes, avec les événements, avec les autres. Au mois de mars, en fait, soyons tolérants pour nous permettre de garder cette porte ouverte vers... la réorganisation, vers l'adaptabilité, voilà. Ensuite, le blocage. Donc, nous allons avoir le 3 de coupe. Voilà. Alors, le 3 de coupe, déjà, dans le blocage, moi, la première chose qui m'est venue, au vu du tirage, c'est attention à la comparaison. On ne se compare pas au mois de mars. Je sais, c'est difficile. On a tous tendance, on va pas se mentir, on ouvre Instagram, on ouvre Facebook... partout où il y a des photos de nos amis, de nos connaissances, de gens qu'on suit tout simplement, machin, on se dit « Ah ouais, mais elle a de la chance, ah ouais, mais elle est belle, oh là là, hop, et on a tous ce truc-là, en fait. Hein. » Et en fait, c'est le mauvais réflexe. C'est le mauvais réflexe, en fait. Hein. Que ce soit dans « Elle a de la chance, j'aimerais bien », mais oui, d'accord, mais du coup, faut pas être frustré si tu tombes juste à côté. En fait, c'est juste ça, voilà. Et puis, il y en a pour qui c'est beaucoup plus problématique. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec l'aide qui est le 6 de coupe renversé et avec cette possibilité de ruminer, de se plaindre, d'être frustré, etc. Je me suis dit, ah, ça peut être par rapport à un comportement qu'on a, en fait. Hein, ça peut être par rapport à ça. Sinon, ça peut être un besoin, je dirais, de... En fait, je dirais qu'il peut y avoir dans ce mois de mars l'idée d'une frustration liée à un besoin plus qu'à un blocage. Vous voyez, j'ai besoin de, par exemple, de me détacher de ci ou de ça. J'ai besoin de plus de planification. Et en fait, c'est plus... je sais que j'en ai besoin, mais il y a comme une sorte de... Même si tout est stimulant, etc., mais il y a comme une forme de fausse idée dans laquelle je serais plus efficace dans l'urgence. Alors que du coup, ça m'empêche d'être encore plus efficace, organisée et priorisée en laissant des portes ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer là. Il y a cette idée de... Je peux être source de mon propre blocage, en fait. Hein, en ayant cette fausse idée, en faisant... moi, en faisant, en fait, mon caractère, ce que l'on dit de moi. En fait, voilà. Il y a aussi peut-être le besoin de faire partie d'un groupe ou de renforcer la confiance que l'on peut avoir en soi dans l'œil de l'autre. Vous voyez, que l'autre nous dise finalement, ah ouais, t'as super bien su t'organiser, ouais, moi, j'aurais pas su faire comme toi, et toi, t'as pas cédé, voilà, t'as vraiment été mature, etc. On peut faire les choses quelque part, entre guillemets, je dirais, pour se valider dans l'œil de l'autre. Attention à ça, ça peut être un blocage, parce que du coup, on le validerait dans l'œil de l'autre, mais on le ressentirait pas nous-mêmes. Et donc, on resterait dans cette énergie avec, comment dire, un besoin d'arrêter de se fier aux autres pour savoir si c'est bon ou pas. Vous voyez ? Voilà. Il y a aussi, comment dire, un besoin de se sentir soutenu. Aussi, dans une autre énergie, on va dire, parce que c'est un tirage général, hein, il peut y avoir un besoin de se sentir soutenu dans ce moment exigeant
de stimulation où les choses peuvent aller vite, où les choses peuvent bouger très rapidement, où les changements peuvent être incessants, il y a peut-être le besoin de se sentir accompagné, de se sentir soutenu, de sentir qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être nous accompagner et nous aider, en fait, hein, et ce qui générerait finalement un sentiment de sécurité et d'abondance. Vous aurez compris qu'au mois de mars, il n'y a pas réellement ni d'aide ni de blocage. Parce qu'en fait, c'est par rapport à notre comportement. Il n'y a pas forcément de choses extérieures qui vont bloquer. Il n'y a pas une administration ou quelqu'un qui va... voilà, c'est plus lié à notre comportement. Je prends mes notes. Ouais, moi, je dirais que, du coup, pour débloquer... Enfin, pour débloquer... Pour nous débloquer, peut-être qu'il est temps d'activer notre réseau et de voir nos amis et de déléguer et de... Vous voyez, de... par exemple, moi, pour le mois de mars, ça va peut-être être demander plus d'aide à mes enfants, à mon mari, si j'ai des projets, et je pense que j'ai des projets. Voilà. Voilà. Après, ça sera différent pour chacun d'entre nous. Pour certains, il sera aussi peut-être nécessaire d'analyser vos relations pour y mettre bon ordre et ne pas s'enfermer dans une relation mal équilibrée. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, ça peut être vous avez énormément de choses à faire. Et du coup, il y a des rémunérations par rapport aux gens qui ne vous aident pas, alors que vous, vous les avez aidés, voyez ? Eh bien, il y a peut-être de l'ordre à remettre là-dedans, et à se dire, est-ce que finalement, cette relation m'apporte quelque chose ? Moi, je pense lui apporter ça, 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 mais qu'est-ce que cette relation m'apporte à moi, en fait, hein ? Voilà, et donc, il y a de l'ordre peut-être à remettre là-dedans. Ensuite, donc, j'ai fait le sentimental, et donc, pour le côté sentimental, au mois de mars, nous avons le 9 de coupe. Voilà. Alors, côté sentimental, encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, peut-être que vous serez complètement concerné, et peut-être que pas du tout. En tout cas, le 9 de coupe nous dit qu'il nous faudra déterminer clairement ce que nous voulons. Voilà, c'est parce qu'en fait, ça pourrait bien être entendu, il pourrait bien y avoir un vœu exaucé. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il s'agirait de savoir exactement ce qu'on veut, en fait. Hein. Cette carte annonce un plaisir sensuel, le sentiment d'avoir trouvé ce qui nous convient, à condition qu'on ait réfléchi à ce qui nous convient et qu'on ait vibré ce qui nous convient. On est bien d'accord. Il nous faudra faire le point sur nos contentements pour voir à quel point le verre est plein, en fait. Pour certains d'entre nous, qui sont peut-être déjà en couple ou pas du tout, enfin voilà... il y a ce moment, en fait, je pense, dans ce mois de mars, ça va être le moment dans l'année où... comment je me sens dans ma vie sentimentale, dans mon célibat, dans mon couple, dans mon mariage, dans... Voilà. Comment je me sens, en fait, hein. Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que je suis encore heureux ou heureuse de vivre ça? Et auquel cas... Comment y remédier, vous voyez, il y a ce questionnement. Et dans le cas où tout va bien, eh bien, il y a le fait d'en prendre conscience. Parce qu'on a trop souvent, quand on est dans un célibat, enfin, on a trop souvent en tête, ou même dans un couple, hein, on a trop souvent en tête le « Non mais moi, de toute façon, je suis bien comme ça. Non mais moi, de toute façon, je suis bien comme ça. » Mais est-ce réellement la vérité? C'est le moment de se poser la question. Peut-être que la réponse sera « Oui », et du coup, profite. Et peut-être que la réponse sera « Bah non ». Et du coup, comment remplir ce verre un peu plus. Mais ça, c'est propre à chacun d'entre nous. Voilà. Et donc, côté professionnel, nous avons la lune renversée. Alors, vous voyez, on a quand même eu pas mal de cartes renversées au mois de mars. Sur les 5 qu'on a, on en a quand même 3 renversées. Ce qui montre l'impact assez important du mois de mars. Hein. Donc, la lune renversée, elle nous dit attention à la rêverie, attention aux fantasmes, attention à tout ce qui pourrait, on va dire, nous détourner de nos objectifs, finalement, aux illusions, en fait. Hein. Y a peut-être une personne autour de nous qui pourrait manquer de réalisme, manquer de pragmatisme, mais ça peut être aussi nous. Et là, c'est dans le monde professionnel. Donc, attention à ne pas voir peut-être plus gros que ce qu'on peut faire, à ne pas aller plus haut que ce qu'on peut gérer, voyez ? Voilà, attention, et dans ce truc-là, pensez, organisation, etc. Voilà, tout se recoupe, hein, finalement. Il y a vraiment ce côté, attention à ne pas nous perdre dans les méandres de nos fantasmes et de notre idéalisme. Voilà, attention à ça. La situation n'est pas très claire,
Et elle peut être assez inconfortable professionnellement parce qu'en fait, on peut se poser beaucoup de questions et ne pas avoir beaucoup de réponses, en fait. On peut se dire, je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Je sens que là, c'est pas équilibré, mais je sais... Ou au contraire, on peut le nier complètement, y aller, y aller, y aller, et puis se faire mal au mental, en fait, hein. Donc attention à ça. Peut-être que nous aurons aussi, je dirais, une bonne analyse, mais les possibilités manqueraient. C'est-à-dire que on a une bonne analyse de la situation, ouais, c'est vrai que ta 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 ta, et en même temps, je ne sais pas comment faire autrement. Et du coup, je retourne en rond, en fait. Vous voyez? Par exemple, j'ai envie d'évoluer, mais bah, j'ai pas du tout envie de changer d'entreprise, et il n'y a pas de poste dans mon entreprise pour l'instant qui pourrait me correspondre. Du coup, j'en suis encore à mon envie d'évoluer sans possibilité. Puisque je me ferme la porte d'aller voir ailleurs, et ben vous voyez, je tourne en rond, en fait, hein. Il peut y avoir ça, hein. Il peut y avoir aussi un sentiment de peur. Peut-être aussi une entrave ressentie, je dirais, hein, qui dans, toujours dans cette idée de tourner en rond, vous voyez, une entrave ressentie, par exemple, l'entrave, ça peut être non, mais j'ai un crédit, je peux pas changer de boulot comme ça en claquant des doigts, au moins je sais qu'ici ça va, que la boîte elle va bien, si je m'en vais et que finalement ça va pas, je me retrouve le bec dans l'eau, voilà, il peut y avoir une entrave comme ça ressentie et qui empêcherait d'avancer, ouais. C'est à nous de voir en fait, encore une fois, la lune renversée nous dit de toute manière c'est pas le moment, puisque professionnellement, là tu vas être dans une phase plutôt de questions, d'introspection, de peur aussi parfois, hein, peut-être de nervosité aussi, hein, mais c'est pas le moment d'avancer, en fait. Hein, c'est pas le moment d'avancer parce que tu ressentirais une entrave qui t'empêcherait d'avancer, mais qui peut-être aussi empêcherait l'autre, parce que c'est pas forcément nous, hein. On peut être aussi l'entrave de l'autre, hein, même si on n'a rien fait, mais, ou en tout cas pas suffisamment. Enfin, on n'a que le pouvoir que l'autre nous donne, en fait, hein. Donc voilà. Et il y a ce côté-là, en fait. Il y a ce côté, est-ce que l'entrave ressentie est juste, elle est vraie, ou est-ce que c'est une vue de mon esprit, en fait? Ça, c'est à nous. La lune, souvent, quand même, c'est, je dirais, une vue de l'esprit, c'est très émotionnel en fait, hein. Dans le côté professionnel, attention, là on est sur un mois, je dirais, émotionnel à fleur de peau, avec beaucoup de fluctuations en fait, hein, des moments où ça va, des moments où ça va pas, il y a très peu de stabilité en fait, hein. Voilà. Alors, on va aller regarder. Alors, je vais déjà pousser tout ça. Hop, hop, et hop. On va aller regarder avec l'oracle aquarelle. Ça fait beaucoup. Alors, on avait la sorcière, le champignon, la communauté, les cycles, le pendule et le messager. Alors, parfois, j'ai des messages, je sais pas du tout méchant, j'ai des messages qui me disent non, mais quand les cartes elles tombent, il faut les prendre. Alors, dans certaines conventions, oui, et dans. Quand je fais un tirage et que dans ma convention de départ, c'est quand il y a une carte qui saute, je la prends, je les prends. Par contre, ce n'est pas ma convention du moment. En ce moment, j'ai besoin de les tirer ou alors qu'elles tombent toutes seules et pas en paquet. Voilà. Là, avec celui-ci, ma convention du moment, c'est j'ai besoin qu'elles tombent toutes seules ou à la limite par deux, mais pas en paquet de 10, quoi. Voilà. Là, par exemple, il y en a beaucoup. Hein, on va pas les prendre. Donc on a l'arbre, le printemps, l'été, le ver brisé, la purification et le roi. Voilà, là on en a une. Au mois de mars, on a la trappe-rêve pour commencer. Vous voyez, je vous ai dit, j'ai commencé par vous dire aussi, hein, c'était avec le 3. Non, c'était. Non. C'était avec le 8 de bâton. Attention parce que c'est très stimulant. Et puis il y a un côté. Non, c'était avec le 9 de coupe, merci. Il y a un côté, c'est très stimulant, et il y a un côté, ce que je vibre, et ben en fait, ça peut arriver. Ce que je vibre, ça peut. Comment dire? Ça, je peux être entendue. Mais c'est pas que dans le côté sentimental, parce qu'on a vu aussi que tout était très stimulant, que les choses pouvaient changer. Et voilà, et rappelez-vous qu'on se dit toujours
que si je vibre positif, du positif m'arrivera. Et il y a ce côté-là, en fait, hein, très fort, ouais, vous voyez. Moi, là, au mois de mars, c'est attention à ce qu'on va demander. Parce que ça pourrait bien être entendu. On pourrait bien obtenir les réponses. Alors, essayons de demander des choses réfléchies. Des choses qu'on... Voilà, vous voyez. Attention au manque de réflexion avec mauvaise. Attention aux vibrations négatives. Attention aux... façon, j'y arriverai pas. Et puis, je suis nulle. Et puis, ceci, cela. En fait, il faut vraiment essayer de purifier le tout pour essayer d'obtenir le plus possible de... Vous voyez ce que je veux dire ? De cette période en fait où il y a plein de choses qui vont changer, il y a plein de choses qui... Essayons de rester le plus positif ou à défaut le plus neutre possible. Vous voyez, si je n'arrive pas à être positif, au moins ne pas être négatif. Vous voyez, essayez de... Voilà, le juste milieu. Je peux pas vous dire plus que ça. Vraiment, là, on a, on peut, il y a beaucoup d'instabilité. Hein. On peut passer de je me fais confiance et je tente de me faire confiance à j'ai beaucoup de difficultés et j'y arrive pas. Gardez en tête qu'au mois de mars, comme on va vibrer, on recevra. Voilà. Alors, je vais mettre ces cartes ici. On va prendre le Lenormand. Allons voir. Alors, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. La cigogne, la montagne, le nuage et le bateau. Alors, ma convention du moment avec le Lenormand, c'est que je tire les cartes. Je les pioche. Nous avons... Ah, le trèfle et l'homme. Il peut y avoir une chance concrète au mois de mars. Un coup de chance, quelque chose qui tourne bien. Coupe. Donc, nous avons le cavalier et le renard. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui avancent, et le renard, c'est l'occupation. C'est aussi le mensonge, mais j'y vois pas ça là, vraiment pas. Là, moi, j'y vois plutôt la ruse, la stratégie par rapport aux choses qui vont bouger, aux choses qui vont avancer, qui vont évoluer, et j'y vois beaucoup de choses à faire, en fait. Hein. Alors, toi, je te pousse un peu. Hop. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de mars, nous allons avoir les oiseaux, les lys, le nuage, les poissons et la montagne. Alors, bon, pour ce mois de mars, très clairement, on a des bonnes nouvelles. On a des nouvelles qui sont plutôt de l'ordre d'une victoire, d'une réussite, d'une nouvelle... peut-être en lien avec la justice, en lien avec l'administration, avec la fleur de l'État, donc le pouvoir en fait. Hein. Il y a une communication comme ça. C'est plutôt une communication informelle, donc par mail, par téléphone. C'est pas encore le courrier en fait officiel, mais ça suffit pour poser les choses en fait. Hein. Toutefois, il y a de l'incertitude par rapport à, je dirais par rapport à un timing. En fait, hein. Je dirais que le nuage, il reflète l'incertitude du timing et la peur du blocage par rapport à un courant d'énergie positive qu'on attend. À ces nouvelles positives, on aimerait bien qu'elles soient concrétisées. Et du coup, c'est plutôt de la peur, en fait. Le nuage ne fait que passer, mais tout de même, il y a une forme de peur peut-être passée, de trucs qu'on a déjà vécu, vous voyez, et qui serait synonyme de blocage, de contrainte, d'attente, de retard, de contretemps. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les oiseaux par le serpent, l'hélice par l'anneau, le nuage par la maison, les poissons par la tour et le nuage par la femme. Ouais. On est sur un mois avec des possibilités de rumination, mais pas des ruminations c'était mieux avant. Des ruminations, je pense, de par rapport à la peur qu'une situation passée revienne. Qu'une situation passée... avec le serpent, je ne peux pas enlever que j'ai les oiseaux au-dessus, il y a ce côté, c'est de la peur en fait, c'est du stress, je sens que ça va, enfin, c'est pas je sens, c'est j'ai peur que ça ne le fasse pas. J'ai peur que ça ne le fasse pas, et que comme par le passé,
Les choses ne se déroulent pas comme j'ai besoin que ça se déroule, en fait. Hein. Avec l'anneau, on voit que c'est un truc, c'est comme un cycle, vous voyez, comme un cycle. Voilà, on est dans un cycle où on, il y a, je pense qu'il y a une sorte de stress sous-jacent qu'on est habitué à vivre, en fait. C'est avec la maison au centre, la maison étant le foyer, donc ça peut être pour le foyer, mais ça peut être aussi votre fort intérieur. Et du coup, il y a comme une idée de cycle qui reprendrait où on se dit non, ça je connais déjà, j'ai pas envie, ça m'énerve, ça me fait peur, je stresse, en fait. Hein. Et je pense que c'est en lien avec une administration, avec un bâtiment accueillant du public, avec quelque chose de très ancré, une habitude très ancrée dans votre vie et qui est là depuis tellement longtemps qu'elle fait partie de vous. En fait, avec la femme, c'est vraiment l'intériorité. J'ai l'impression que vous soyez homme ou femme, c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur, hein, on s'entend, hein, mais qui est tellement dans votre vie qu'en fait, c'est presque un tuteur. En fait, par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, ça pourrait être une prestation que vous touchez pour vous, pour un enfant, pour voilà, et avec la peur parce que une commission, machin, ça peut être aussi une demande de logement, par exemple, parce qu'on a l'administration, donc ça peut être par rapport à la justice, vous voyez, un truc qui est tellement là depuis longtemps, en fait, et pour lequel vous avez investi de votre temps et de votre énergie, et pour lequel vous attendez une réponse, qu'il y a cette peur-là qui peut ressurgir. Quand on regarde les colonnes, on voit, ici c'est des pensées négatives. Les oiseaux et le serpent, c'est des pensées négatives et des mots qui peuvent être aussi négatifs, qui peuvent être de toute manière, c'est pas pour moi, j'ai pas de chance, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Alors que clairement, ce qui nous attend, c'est les lys et l'anneau. C'est-à-dire que clairement, ce qui nous attend, c'est une réussite, une signature et un contrat et quelque chose qui va plutôt bien se passer, en fait. On a peur, ça c'est clair, il y a des idées, des pensées négatives, etc. Mais pour autant, bah, c'est positif ce qui va nous amener. Et ça, pour l'instant, on est sur un mois de... Émotionnellement, c'est compliqué, en fait. Émotionnellement, mentalement, le nuage ne fera que passer. Hein. Ça passera assez vite et on aura ce qu'on veut. D'accord ? On aura ce qu'on veut dans le temps qui est juste, on va dire. Voilà. Mais le mental est un petit peu... voilà. Alors, heureusement, le nuage ne fait que passer et il peut passer très vite, mais il y a quand même cette idée qu'il ne sera pas loin. On va regarder avec les messages essentiels. On en a eu deux. Nous avons eu... Que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment, mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Et nous avons... Le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence et c'est un moment particulièrement régénérant. Et on va regarder... J'ai envie d'avoir un dernier petit tirage... Alors, on va peut-être les laisser là. Hop. On va voir ce que nous donnent les cartes hôtel pour ce mois-ci. Le petit conseil, c'est la Vierge. Discrétion, patience, organisation, mais aussi nervosité. Voilà la synthèse, je dirais, de ce petit tirage. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile pour le mois de mars. Mais bon, on ne le saura que fin mars, en fait, les amis. Mais moi, je vous donne déjà un petit peu des clés, on va dire. J'espère qu'elles vous seront utiles. Et nous, on se retrouve pour ce même tirage, enfin, pour ce même genre de tirage fin mars pour le mois d'avril. Et sinon, tous les jours pour les tirages quotidiens. Salut !